suis prêt, ok? Ok. À plus, man. Attends, ferme pas la trappe. Hein? J'ai besoin de mon jetpack. Ok. Reviens-toi, l'oiseau, avec le truc. Bon, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas que moi qui suis maladroit. Il y a aussi le héros de Giants. C'est le jeu qu'on va faire aujourd'hui. Marcus, t'aimes ça, l'univers maniaco-dépressif? J'aime bien mon Pierre Boulet. Ça me détend un petit peu dans ça. C'est vrai que c'est un univers super bizarre avec des créatures vraiment étranges. On va voir ça tout de suite. Ce qui est génial avec ce jeu, c'est qu'on le prend en main immédiatement et on apprend à s'en servir de manière complètement progressive. Donc, première étape, vous avez vu, j'ai été largué par mon camarade, le Pierre Richard de l'espace, qui m'a bêtement éjecté de notre vaisseau spatial où il y avait pourtant une super bonne musique d'ascenseur. Et il va falloir que j'aille à l'autre bout de l'île pour retrouver un petit bonhomme qui va peut-être m'aider et m'apporter du secours. Mais regardez, sur cette planète, il y a des sales bestioles bizarres et des fourrés dans lesquels on peut se cacher. En tout cas, c'est des sales bestioles, on dirait un peu des araignées, avec une grosse mâchoire à l'avant. Ce que je vais faire, je vais reculer pour qu'on les voit et je vais zoomer dessus. Regardez, regardez un peu la tête qu'ils ont. C'est vraiment de la sale bestiole. Et puis maintenant, ils sont juste à mes pieds. Donc tout ça se dirige au clavier et à la souris. Avec la souris, on dirige le regard du personnage principal. Et avec le clavier, on gère ses déplacements. En fait, c'est tout simple. Et puis l'idée, c'est que vraiment, pour le moment, je ne peux que faire ça. C'est-à-dire courir, me déplacer, faire des petits pas sur le côté à la limite. Vous voyez, juste ça. En plus, c'est gracieux comme tout. Et puis juste tirer avec un gros flingue et c'est tout. Mais par contre, le jeu va devenir de plus en plus compliqué au fur et à mesure. Mais on va vraiment vous expliquer tout ça au fur et à mesure. En fait, l'idée, c'est qu'à chaque nouvelle mission de ce jeu, qui fonctionne donc par mission, vous allez apprendre à vous servir d'un nouvel appareil, d'un nouveau truc. Et vous allez aller de surprise en surprise tout au long du jeu parce qu'il y a vraiment des trucs déments. Giants, c'est une des bonnes surprises de cette année sur PC. C'est vraiment un jeu dément. Avec un bon esprit en plus. Je sais pas si vous vous souvenez de MDK, qui était déjà super drôle. Je crois bien qu'il y a des membres, des programmeurs de chez Shiny, qui avaient fait MDK, qui ont participé à Giants. Et on retrouve cet humour tordu dans MDK. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des robots qui vous montraient leurs fesses pour qu'on leur tire dessus. Parce que c'était pour vous menacer un petit peu, enfin vous énerver, pas comment on dit. Je retrouverai le mot tout à l'heure, un autre jour. Là c'est un peu le même genre d'humour, un peu débile mais très drôle, avec des petites phrases très crues, vous avez entendu tout à l'heure. Nargué, voilà, c'est ça que je cherchais, j'avais largué dans la tête, merci mon Pierre Boulet. Donc regardez, j'avais déjà du mal avec les petites bestioles, et là c'est la même, mais le grand modèle, carrément, et qui en plus crache des boules de feu, alors que les autres se contentaient de vous mordiller les mollets. Moi bêtement je vais me faire flinguer, il me reste plus rien dans mon petit cœur. Oh là 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 là. Et voilà, ça y est, je suis mort. Donc quand on est mort, on peut pas sauvegarder en cours de mission. Il faut recommencer, voilà, ça m'apprendra à blablater un petit peu. C'est un des seuls défauts du jeu d'ailleurs, c'est que parfois il y a des missions assez longues. Bon, en général, on y arrive assez vite. Au bout de 2-3 essais, on arrive quand même à franchir une mission. Mais on peut pas sauvegarder. Donc comme il y a des missions qui sont un peu plus longues que d'autres, c'est un peu frustrant par moment. Regardez comme on voit loin. On peut voir vachement loin dans le décor. Et puis on a le zoom qui permet, voilà, de zoomer. Il y a plusieurs niveaux de zoom. Si j'arrive à le faire fonctionner, voilà, vous zoomez jusque là. Quand même assez impressionnant. Il y a aussi une vue, on peut passer en mode vue subjective, comme dans un Doom-like si on veut. Enfin vraiment, c'est très luxueux comme production. Il y avait vraiment plein de choses à faire. Et regardez les bestioles qui se baladent dans l'air. Il y a vraiment un univers super, avec des créatures assez incroyables. Vraiment, c'est bien de se promener et de découvrir tout ça, d'explorer. Moi, je trouve ça vraiment super. On peut aussi tracer tout droit jusque au point d'objectif de la mission, mais c'est pas mal de se balader, de chercher des bonus, des trucs cachés un peu à droite, à gauche. Et puis il y a un bon petit scénario, on verra ça tout à l'heure. Donc pour le moment, je contrôle cette espèce de Marines de l'espace, mais alors la grosse surprise du jeu, c'est qu'on change de personnage au fil du jeu. Il y a un tiers du jeu qui se passe à peu près avec lui, un deuxième tiers qui se passe avec une espèce de fée qui a des pouvoirs magiques. Oh là, c'est pas par là du tout. Qui a donc des pouvoirs magiques, ça change un peu des armes. Et puis le dernier truc, c'est carrément un géant, genre Godzilla. Ça, c'est la carte qui me permet de me repérer. Mais je vois pas bien les flèches d'ici.
Et un gros géant genre Godzilla qui écrabouille tout sur son passage, qui est assez rigolo. Donc voilà, ça change totalement le jeu, évidemment, selon le personnage que vous aurez choisi. Là, je suis à l'envers. Voilà, ça m'énerve. Sur l'écran de la télé, j'ai beaucoup de mal à évaluer l'endroit où je me trouve. Regardez, il y a une petite carte en bas, et voilà. Et la petite flèche ici, là, c'est la direction vers laquelle je me tourne, donc c'est pas trop mal. J'allais plus vers la droite, c'est le seul truc. Voilà, donc ça permet de se repérer. Quand on a un écran de PC, on y voit bien clair. Quand on a, comme moi, un gros écran de télé avec sa grosse tête de gars qui fait de la télé dessus, c'est tout de suite moins facile. Voilà, en tout cas, on arrive près d'un petit village. Regardez-moi ce ciel, magnifique. Donc on peut en plus observer sur les côtés, voir un peu ce qui se passe pendant qu'on avance. C'est vraiment magique comme tout. Et il y a une très jolie mer. Là, j'ai pas mis tous les effets au maximum parce que notre vieux PC de level 1, depuis le temps qu'il faut qu'on en rachète un, il commence vraiment à être très très vieux. Mais il y a des très beaux effets de vagues, de reflets du soleil sur la mer. Enfin, il y a vraiment des trucs superbes que vous verrez pas aujourd'hui. En tout cas, moi, je les ai vus à ma maison. À ma maison, j'ai un Pentium 3 500, je crois, qui est une bonne carte Voodoo. Et il n'y avait pas de soucis, ça ramait pas, ça marchait vraiment bien et tout ça. Mais à level 1, on est un peu pauvre et on n'a pas encore reçu notre nouveau PC qu'on nous a promis depuis des lustres. Regardez, de la terre qui se soulève carrément sur le côté. En fait, c'est des espèces de vers géants qui rampent sous la terre et qui surgissent au moment où on s'y attend le moins. Regardez, il va arriver vers moi. Voilà. Après, je vais pouvoir le chuter. À moins que ce soit lui qui met avant. Et on va récupérer un petit bonus. Voilà, ça va me remplir mon petit cœur. 2 points de vie. Allez, on fonce à travers le pont. Les bruitages sont super. Là, je marche sur le pont, ça fait le bruit du bois. Et là, le bruit de l'herbe. Vous avez entendu ? C'est génial comme truc. Ils ont un souci du détail qui est vraiment super. C'est bourré de détails dans tout le jeu. Aussi bien au niveau des créatures que l'architecture. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Donc là, je vais essayer de retrouver le petit extraterrestre qui va peut-être pouvoir me filer un coup de main. Sauf que des bestioles vont essayer de m'en empêcher. Donc on va utiliser le zoom. Vous voyez, c'est quand même super efficace comme zoom. Deux d'un coup, du coup. Ouais, la petite bestiole, elle est là normalement, juste derrière le gros monstre. Je vois pas bien mon curseur non plus sur la télé, mais bon, vous, sur votre écran de PC, normalement, tout ça est beaucoup plus précis et on s'y retrouve beaucoup mieux. Oh, il en reste des bouts sur les côtés. Voilà, je l'ai délivré. Écoutez bien la voix, elle est géniale. Ah, merci, monsieur. De rien. Je m'appelle Baz. Oh là là. Et moi, c'est Ahmed. Mais vous pouvez m'appeler Timmy. Hein. J'ai fichu la serrure, on avait appris mon beau jetpack tout neuf. Mais c'est le mien. Non, mais il reprendra, monsieur Basile. Je me suis vraiment bien amusé, moi. Bon, alors emmenez-moi jusqu'à ce puits de mine, Smarty. L'entrée est ouverte maintenant. Hey, je vais vous montrer comment utiliser mon jetpack. Eh bien, je le tiens, monsieur Gaz. Ah, le drapeau, on a récupéré le drapeau. Ça lui apprendra. Et voilà une bestiole qui arrive. Donc la bestiole qu'on vient de voir. Je suis à la recherche d'un pote à moi. On va le laisser faire. Exactement. Mais c'est quoi ça ? Hein ? Oh ça ! Oh, c'est des mannequins en forme de Smarties. Les marines essaient de nous faire peur pour nous chasser d'île et s'y installer. Mais elles se rendent pas compte que nous, on vit ici depuis. Ahmed ! Hein ? Les Smarties, ils sont vrais ! Reprends-toi, tu pouvais pas savoir. Oh, mes pilules, il me faut mes pilules, monsieur Baz. Vous savez, je suis très fragile. Allez, tu calmes. Aidez-les, je vous en prie. Oh mon Dieu, quand je pense qu'hier encore j'ai relancé des pierres. Ah ça, ils ont l'air d'avoir morflé. Je vous en prie, monsieur Baz. Je vous récompenserai si vous les sauvez. Mais dépêchez-vous. Bon voilà, j'ai laissé la cinématique durer, c'est pas mon habitude dans Level 1, mais c'est tellement drôle franchement, c'est tellement bien foutu, vous avez vu la musique, les gros plans sur les espèces de bestioles qui sont accrochées au bord de la falaise, vraiment, ça vaut le coup de pas rater les cinématiques, donc je vous ai laissé celle-là. Alors regardez, maintenant j'ai un jetpack, il suffit que j'appuie sur le bouton droit de la souris pour le déclencher, le problème c'est que ça dure jamais très très longtemps, en fait il y a de l'énergie, voilà, juste là, qui se recharge, regardez bien, quand je décolle, ça utilise de l'énergie. Et j'en ai pas beaucoup, vous voyez, ça se vide assez vite, ça se recharge tout seul automatiquement au bout d'un moment. Vous voyez, hop, on voit le truc qui est en train de se recharger. Mais j'en ai pas tant que ça, ce qui fait qu'il faut apprendre à manier l'engin de manière extrêmement précise et la plus prudente possible pour pas se retrouver à 300 mètres de hauteur avec plus d'énergie du tout et s'écraser comme une bouse. Donc voilà, faut apprendre à gérer ça et là, en l'occurrence, on va essayer d'aller sauver les petites bestioles qui se sont retrouvées accrochées à la falaise.
On va essayer de les rafler avant qu'ils ne tombent dans l'eau, parce que le problème, c'est que dans l'eau, et il nous a prévenu notre petit camarade là, dans l'eau, il y a des piranhas. Ah, j'ai raté le haut de la falaise. Je vais être obligé d'y aller à pied. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des piranhas. Ouh là là, vite. J'ai décollé de justesse pour échapper aux piranhas. Je sais pas si vous avez vu, il y en a un qui est tombé. Regardez, il y en a un qui est tombé, il est en train de se faire bouffer par les piranhas sur le côté. Donc les autres, on va essayer de les sauver avant qu'ils ne tombent. Ils sont accrochés au rebord de falaise en général. Donc il faut que j'en sauve 4 pour pouvoir avoir le droit de passer au niveau suivant. Donc on va essayer de les repérer. C'est pas facile de les attraper quand ils sont au bord de la falaise, parce que le maniement du jetpack est pas très très précis. Ça y est, je l'ai avec moi. Voilà, faut que je fasse gaffe aux piranhas qu'on se fasse pas manger les jambes. Et il faut que je l'amène dans un endroit où il sera en sécurité. Je crois que c'est par là. Voilà, c'est là-bas. Il y a une espèce de petit enclos où il faut que je les dépose. Et il me remercie quand je les ai déposés. Écoutez bien. Salut mon pote. Voilà, ils ont pas tous la même voix en plus. J'adore ces bestioles. On appelle ça des Smarties. C'est leur petit nom dans le jeu. Et ils sont vraiment très très drôles. Donc soit on utilise le jetpack pour essayer de les récupérer avant qu'ils ne tombent, mais c'est pas facile. Soit on va les choper juste au moment où ils sont tombés, c'est-à-dire hop, le sauver en plein milieu des piranhas, mais je risque de me faire choper moi aussi. Donc il faut que je fasse assez gaffe. Oh là là, les piranhas me suivent, je peux leur tirer dessus. Voilà. Là, il y en a un qui va tomber là-bas, vite, vite, vite. On voit les rochers, ça veut dire qu'il n'y a pas tardé à tomber. Mais faut pas que je me fasse bouffer non plus par les piranhas, c'est ça toute la difficulté du truc. Donc souvent, faut se retaper la mission quelques fois pour réussir à s'en sortir vivant. Là, faut que j'en sauve 4 et pour le moment, il y en a déjà 2 qui viennent de se faire bouffer. Donc faudrait que je fasse attention, il n'en reste plus beaucoup, il n'en reste même plus aucun du tout. J'ai mis un peu trop de temps à arriver en fait, le temps de vous faire voir comment marchait le jetpack, ils se sont tous fait bouffer. Ah, c'est dommage, donc là ça va être un échec ma mission, j'ai pas tellement le choix. Je vais aller me faire bouffer par les piranhas, ah il en reste un quand même. On va peut-être essayer de le choper mais je pense que de toute façon je suis bon pour essayer de recommencer. Regardez, on va attendre qu'il tombe et on ira chercher dans l'eau juste devant. Allez, tombe mon petit bonhomme. Des fois, voilà, regardez, hop, il vient de tomber. Je vais essayer de le récupérer avant les piranhas. Mais c'est pas facile. D'habitude, il crie, mes jambes. Il se fait dévorer par les piranhas. Donc voilà, je vais recommencer cette mission et on va essayer de la faire bien ce coup-ci. Ce coup-ci, je perds pas de temps à vous expliquer et on y va. Donc je vous disais, le truc super étonnant, c'est que pour le moment, j'ai ce personnage qui est un petit bonhomme assez sympa avec des armes et une technologie assez variée. Mais ensuite, j'aurai une fille qui a des pouvoirs magiques et ensuite un espèce de gros monstre genre Godzilla qui fait 30 mètres de haut. Donc ça, c'est génial à manier parce qu'il écrase les petits bonhommes dans ce genre-là sans aucun problème. Donc vraiment, il y a des phases de jeu très différentes avec des personnages différents. Et surtout, il y a des surprises démentes. À un moment, il y a carrément un jeu genre Battlezone, je sais pas si vous vous souvenez. C'est-à-dire un truc un peu à la Warcraft avec une gestion de ressources et tout ça, où il faut carrément créer des bâtiments, des armements, etc. Aller chercher des ressources, aller chercher des petits extraterrestres pour qu'ils vous aident, etc. Et là, on passe carrément en mode vue de dessus avec un vrai truc de stratégie. C'est-à-dire, ça change totalement. Et encore plus loin dans le jeu, on se tape carrément des courses de jet ski, donc des vraies petites courses. Et ce qui est génial, c'est que le moteur du jeu permet de faire tout ça sans trop de problèmes. Donc ça, c'est vraiment très très étonnant. Ils ont réussi vraiment, les programmeurs, à faire un jeu qui est assez polyvalent et qui permet de faire plein de trucs. Allez, on va essayer d'aller récupérer lui. Alors, toute la difficulté consiste à le choper tout en économisant au maximum, oh la vache, le jetpack et en se faisant pas bouffer par les piranhas. Voilà, là j'ai fait un peu plus vite, ça me laisse un peu plus de temps. Donc j'espère que je vais réussir à en sauver 4. Je crois que c'est 4. Il faut que j'en sauve 4 pour réussir ma mission. Quand il dit pas salut mon pote, il dit merci monsieur. Voilà, parce que oui, il y en a quand même quelques-uns qui sont accrochés dès le début. Oh là là, les piranhas, ils m'en veulent. Hein. C'est assez terrible. Ah, il y en a un là. On s'entend qu'il appelle au secours. Voilà, alors le tout, c'est de bien se caler. Et de bien l'attraper. Vous voyez, là, je l'ai raté. Et le problème, c'est qu'on voit pas trop où on va retomber. Et en général, c'est dans les piranhas, une fois sur deux. Donc le problème, c'est que cette deuxième mission, c'est pas la plus fastoche. Après, ça devient un peu plus fastoche. Mais là, voilà, je risque de me la retaper plusieurs fois. Parce qu'il faut être vraiment concentré, en plus, pour y arriver. Donc chez vous, ce sera plus fastoche. Mais chez moi, comme d'habitude, c'est compliqué, level 1, qui voulez-vous. Donc allez, on va recommencer. Je sais qu'à la maison, je me suis repris à 5 fois, quand même, pour y arriver. Donc là, j'ai un peu plus d'entraînement, ça devrait aller mieux. Mais je vous garantis pas de réussir à la passer. Il y a une mission ensuite où il faut aller récupérer notre copain qui est accroché au bord d'une falaise avec son appareil, parce qu'en plus il s'est scratché 10 mètres plus loin, cet abruti, en plus de nous avoir largué de notre appareil.
et on est poursuivi par des vers géants. Ah, il y a une super vue que je vous ai pas fait voir, regardez, c'est vue de l'avant du personnage. Et il y a des moments déments où vous regardez derrière vous, vous êtes poursuivi par les vers géants qui vous courent après. Il y a vraiment des moments très très spectaculaires. Vraiment, Giants, je vous le recommande, c'est une très très bonne surprise. Et ce qui est super, c'est que le gameplay est vraiment bien vu. On apprend vraiment à servir des choses au fur et à mesure. Là, c'est la mission qui me permet d'apprendre à utiliser le jetpack. Donc c'est bien qu'on la finisse pas du premier coup parce qu'on apprend à être de plus en plus précis dans le maniement du jetpack. Si on la passait du premier coup et qu'ensuite on n'en parle plus, ce serait peut-être un peu gênant pour les missions d'après qui seraient plus difficiles. Donc vraiment, c'est super bien dosé tout ça et vraiment bien foutu. Je trouve juste que c'est un petit peu difficile pour une deuxième mission. Voilà, ça y est, je l'ai. Le problème, c'est de bien retomber les pieds sur un rocher et pas dans l'eau là où il y a les piranhas, ce qui n'est pas une très bonne idée. Voilà, en voilà un déjà. Merci monsieur. Les voix en français sont vraiment très très drôles et vachement bien foutues. C'est vrai que c'est un régal de les entendre causer, ces petites bestioles. Voilà, là il y en a deux autres. On va essayer de les choper. Ah, je l'ai passé, donc vite. On va essayer de se reposer un endroit. Vite, 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 les gens. Ils me poursuivent encore un peu. Ils sont vraiment voraces, les piranhas. Là il y en a un. On va essayer d'y aller aussi. Le problème, c'est que comme le jetpack est limité en temps, on peut pas l'utiliser autant qu'on veut, il faut vraiment bien apprendre à gérer, à économiser son jetpack. Parce que je peux pas rester en l'air pendant une heure à essayer de récupérer les mecs. Il faut... Ah non, les piranhas, j'avais oublié. Il faut vraiment les récupérer au bon moment. Enfin voilà, bon, vous verrez ça vous-même, parce qu'il est l'heure déjà. J'aurais même pas fini la mission, c'est pas grave. En tout cas, Giant, je vous recommande vraiment, c'est super drôle et super bien foutu. Allez, ciao, à bientôt pour un prochain Level 1, soyez sages.